les filles, on est sous-côté, genre, on est sous-estimé. Nous. Avant, on ne parlait que du football masculin. Et là, on commence à parler du football féminin. Parfois, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes, alors qu'elles ont un potentiel. Donc nous, en fait, on fait en sorte de les mettre en confiance. Donc ça passe par des encouragements. Après, derrière, elles se donnent à merveille sur un terrain de foot. Président du Racing Club de Saint-Denis. Je suis né en Martinique, à Rivière-Pilote. Quand on l'a créé, c'était surtout pour les garçons. On ne parlait pas de football féminin. Olivier Giroud, Griezmann. Neymar. Ah non, je ne connais pas les filles. Ouais, aucune fille. Je sais pas, je connais pas les filles. Wendy Renard. Ton joueur préféré ? Allez, deux petits tours de chauffe et on démarre. Au départ, bah, je jouais avec les garçons. Souvent, ils disaient « Oh, il y a une fille, oh, ceci. Va être nul, on va gagner facilement. » Après, on montre sur le terrain. Et puis après, ils sont surpris. Il faut avoir beaucoup de caractère et de force. Les gamines accompagnaient déjà leurs parents. Donc, ils avaient envie de jouer au ballon, et, etc. Et nous, on a pris donc, ce virage en disant « Bon, on va créer une équipe féminine. » Ça a été difficile, hein. Je peux vous dire pourquoi qu'avoir des filles, c'est pas évident. Mais on a tenu parce qu'elles savaient nous le rendre comme il faut. Parce qu'elles étaient très assidues aux entraînements. Au départ, mes parents ne voulaient pas, en fait. Ma famille, au début, était plutôt sceptique. Ils ont vu que j'aimais ça. Ils ont vu que je prenais du plaisir, que les garçons, pour ma mère, ils étaient gentils avec moi. Et qu'ils me prenaient sous leur aile. Et puis pour mon père, il a vu mes qualités et il aime beaucoup le foot. Donc maintenant, c'est une fierté pour eux. Après, plutôt ma famille éloignée, c'est un peu un mauvais regard, dans le sens où une fille qui joue au foot, c'est pas une fille. À l'époque, c'était pas vraiment médiatisé, du coup, c'est pour ça que c'était compliqué pour nous de jouer au football en mixité. À l'heure actuelle, avec les publicités et surtout la Coupe du Monde féminine, on voit vraiment la différence entre il y a 5 ans et à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une porte de sortie pour énormément de filles dans la région Seine-Saint-Denis. Surtout celles qui ont du mal à l'école, des fois elles s'accrochent au foot. On essaie d'œuvrer pour l'évolution du foot féminin en général, des petites jusqu'aux grandes. Ce n'est pas parce que c'est des féminines qui ne savent pas jouer au ballon. Parfois, c'est encore mieux de regarder des féminines jouer que des garçons actuellement. C'est vrai que le salaire n'est pas le même, c'est certain, mais j'espère qu'un jour ce sera le cas pour les féminines. Des fois, on joue avec les filles, mais c'est pas officiel, c'est entre nous. Je jouais avec les garçons, mais parfois je jouais avec les filles. Les filles, ils sont égales aux garçons, mais il y en a, ils peuvent être plus forts, il y en a moins expérimentés. Moi, j'aime ça parce que c'est toute ma vie. C'est le meilleur sport au monde. Ah oui, ah, je pense que la vie, c'est la vie, mais je vais prendre. Ça me stresse.